avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Cachée, 30 ans, 3 ans de vie publique et 3 jours pour nous sauver. Et c'est maintenant que Jésus va nous sauver. La première chose de ce soir, c'est simplement de se rappeler, c'est maintenant. Tout ce que nous faisons ce soir, c'est pas simplement une commémoration, on y pense. Non, c'est réel. La réalité de la scène vient auprès de nous. Demain, la passion, la résurrection, la nuit du samedi au dimanche. Tout cela, c'est réel, c'est pas simplement une commémoration. Et en fait, les triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, la veillée pascale, ce ne sont pas 3 célébrations, c'est une seule célébration. Aujourd'hui, la messe ne finit pas avec « aller dans la paix du Christ ». Non, elle reste ouverte, continue le vendredi de la Passion et finit le jour de Pâques. Bien sûr, nous, parce que nous sommes des hommes, nous sommes obligés de rentrer, on va dormir, mais quand même, tout cela, ça reste une célébration et c'est réel. Et nous, la première chose qu'il faudrait faire, ce soir et tous les 3 jours, simplement d'être là, ici. Et maintenant, je t'invite simplement, on va prendre quelques secondes, 15 secondes, juste pour devenir tranquille. On va oublier tout ce qui s'est passé aujourd'hui, la semaine dernière. On va oublier tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Essayons juste d'être là, avec notre corps, avec notre âme. 15 secondes pour arriver maintenant, ici. C'est ça, la plus importante des dispositions, simplement être là, avec un cœur ouvert. Parce que Jésus, en fait, il veut nous donner des grâces. C'est juste à nous de les recueillir, de les accueillir. Aujourd'hui, le grand mystère, même 2 grands mystères. Et tout d'abord, je veux d'abord parler un peu du mystère de l'institution du sacerdoce, prêtre. Jésus, il choisit des hommes. Il a choisi des hommes pour être prêtre. Il a choisi des hommes pour perpétuer son œuvre de salut dans le monde. Et imaginez, pensez à tous ces prêtres qu'il a choisis depuis la scène jusqu'à maintenant. Et quelquefois, on pourrait se poser cette question, pourquoi Jésus choisit quelqu'un ?
Voyez, on pourrait dire, peut-être il a choisi le Père Michael parce qu'il chante si bien, le Père Dominique parce qu'il peut parler ou comprendre l'hébreu, le grec, le latin, le Père David parce qu'il était même avocat avant. Bonne disposition. Et mais non, on se trompe, c'est pas ça. Dieu nous a choisis, nous les prêtres, pas parce que nous sommes plus adaptés que les autres. Le choix du Seigneur reste un mystère d'amour. Au ciel, on peut peut-être un petit peu comprendre cela, mais ça reste quand même un choix d'amour. Comme la création, on ne comprend pas la création sans l'amour. Dieu nous a choisis comme prêtres. Et comme c'est beau d'être prêtre. Comme c'est beau d'être prêtre. Aujourd'hui, je veux simplement dire ça, c'est beau d'être prêtre. Moi, je suis heureux d'être prêtre. Parce que comme prêtre, on peut simplement donner Dieu. Quelle joie d'être au confessionnal, de dire au nom du Seigneur, je te pardonne tous tes péchés, de célébrer la messe, avoir le Seigneur dans ses mains. On ne le mérite pas. Personne ne le mérite. Et quand même, Dieu nous a choisis. Mystère incroyable. Dieu Tout-Puissant qui agit à une parole du prêtre, qui descend du ciel tout à l'heure à la parole du prêtre. Ceci est mon corps et Jésus est là. Quel mystère incroyable. Quel mystère incroyable. Et aujourd'hui, j'ai fait un appel à tous les jeunes, tout d'abord aux garçons, posez-vous la question. Jésus, vous posez la question à Jésus, est-ce que tu me veux comme prêtre, moi? Est-ce que tu me veux comme prêtre? Je ne sais pas si Jésus t'appelle, mais je t'assure une chose. Si tu es appelé à être prêtre, il n'y a rien qui est plus beau. Il n'y a rien qui est plus beau. Il ne faut pas avoir peur. Jésus, ce don de sacerdoce est si beau. Et aussi vous, les filles qui êtes là, demandez aussi à Jésus, est-ce que tu veux que je sois religieuse? De nouveau, ce n'est pas une obligation, c'est un choix de Jésus. Mais si Dieu t'appelle, n'aie pas peur. C'est une grande joie. Et ce soir, je veux simplement dire, c'est beau d'être prêtre, c'est beau d'être prêtre. Et nous, les prêtres ici qui sont là, nous sommes heureux comme nous sommes. On ne veut pas se marier. On est là pour Dieu et pour vous, et c'est ça notre joie. Nous sommes là pour servir Dieu et vous. Quelle joie. Et surtout, on voit toujours de nouveau l'action de Dieu, surtout aussi toutes ces confessions qu'on fait autour de ce triduum. Quelle joie, quelle joie. Je pourrais maintenant continuer des minutes comme ça. Simplement, on reste ici et on continue. Comment nous pouvons bien vivre ce triduum ce soir? J'ai déjà dit tout d'abord être là, ici, maintenant. Oublier tout ce qui s'est passé avant et après. Et puis, je veux parler encore de deux dispositions. Tout d'abord, l'humilité, être humble. Et humilité, ça ne veut pas dire, en fait, je dis toujours, je suis rien, je suis rien, je suis rien. Humilité, ça veut dire, je reconnais, moi je suis créature. Moi, je ne peux pas prendre la place de Dieu. Je suis entièrement dépendant de Dieu et c'est ma joie d'être dépendant de Dieu. D'être simplement à ma place comme créature. Et voyez, Jésus aujourd'hui, il nous donne un si bon exemple. Jésus, il prend aujourd'hui la place du servant. Lui, il s'abaisse, il se fait tout petit comme exemple pour nous. Jésus, il nous aide à bien entrer dans ce mystère de la scène et du triduum pascal. Être humble, simplement être là, dans la simplicité, pas être compliqué, des pensées grandes, simplement être là,
comme un enfant, comme tous ces enfants qui sont là. Et la deuxième disposition, d'une certaine manière, c'est lié à la première, c'est le désir d'être avec Jésus. C'est lui qui est humble, qui se sait pauvre, il va désirer Jésus. Et en fait, je vous dis une chose, peut-être vous vous êtes dit aujourd'hui, j'ai raté un peu mon carême. Je n'ai pas gardé mes résolutions. Et je vous dis une chose, vous avez fait un bon carême. Si vous pouvez dire ce soir, maintenant, c'est vrai, je suis pauvre, je n'y arrive pas seul, j'ai besoin d'un sauveur. Si vous pouvez faire dire ça ce soir, c'est bien, vous avez fait un bon carême. Ce désir de notre sauveur. Et c'est aussi Jésus qui nous donne son exemple. Jésus, aujourd'hui, c'est dit dans l'évangile, pas dans l'évangile qu'on a entendu tout à l'heure, « Desiderio desiderando ». Avec un grand désir, j'ai désiré de partager ce repas, cette Pâque avec vous. C'est Jésus tout d'abord qui désire de se donner à chacun d'entre nous. C'est Jésus qui nous attend ici. C'est Jésus qui attendait justement ce moment, maintenant. Et en fait, ce soir, la célébration maintenant, c'est aussi la réponse de Jésus à la prière que nous avons tous fait pendant le temps de carême. Cette prière, « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » En fait, la première disposition, être humble. « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » Humilité. Et la deuxième disposition, le désir. « Et donne-moi le goût du ciel. » En fait, pendant tout le temps du carême, nous nous sommes préparés pour maintenant, pour recevoir ce soir Jésus. Et la réponse de Jésus à notre humilité, à notre pauvreté, à notre désir, c'est le Saint-Sacrement de l'autel. Jésus, il cherche des cœurs humbles, il cherche des cœurs qui le désirent. Simplement, désirer Jésus. Voyez, en fait, face au Saint-Sacrement, il faudrait se taire. Il faudrait se taire et simplement s'agenouiller. Parce que chaque mot qu'on dit, c'est un mot de trop. Parce que c'est un mystère incroyable. Jésus, Dieu fait d'homme, se donne sous la croix. Et déjà, aujourd'hui, avant de mourir demain, il se donne à toi. Dieu se donne à toi. Dieu se donne à toi. Dieu Tout-Puissant se donne à toi aujourd'hui. Jésus, qu'est-ce que je peux dire comme prêtre par rapport à ça? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Simplement un mot comme retour, comme réponse. Et je veux simplement que ce mot monte aujourd'hui vers Dieu, que ce mot accueille aujourd'hui Jésus dans ton cœur, que ce mot soit entendu dans ton cœur plusieurs fois. Dis aujourd'hui simplement plusieurs fois, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, il recherche des cœurs humbles, des cœurs qui le désirent, finalement des cœurs qui l'aiment. Et un cœur qui est humble, qui désire Jésus, qui l'aime, peut recevoir des grâces énormes, peut recevoir des grâces pour beaucoup d'autres personnes aussi. Si on pourrait comprendre la force, la grâce d'une seule bonne communion, on irait tous les jours à la messe si on pouvait. Ou plutôt, on trouverait des dispositions pour aller tous les jours à la messe, parce que c'est un mystère incroyable. Et enfin, la célébration aujourd'hui finit avec la procession pour aller au reposoir.
sera Jésus toute la nuit. Et on reprend là sa passion, sa souffrance, sa solitude. Et je vous invite simplement, je vous demande, mes paroissiens, restons proches de lui. Ne laissons pas seul Jésus. Celui qui aime ne peut pas voir souffrir son ami. Celui qui aime ne peut pas voir son ami souffrir. Ne restons pas indifférents. Si tu peux, si vous pouvez, venez ou restez juste 5 minutes à la fin. Bien sûr, s'il y en a beaucoup d'enfants, restez à la maison. Priez aussi là, Jésus, avant de vous endormir. Si vous pouvez, donnez un peu de temps à Jésus. Donnez un peu de temps à Jésus. Jésus, il cherche des âmes qui le désirent, qui sont humbles, qui l'aiment. Maintenant, entrons dans son mystère. Nous verrons maintenant comme Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Et après, réellement, Jésus se donne à nous, descend sur l'autel. Voyez, aujourd'hui, maintenant encore, le tabernacle est vide. Et tout à l'heure, Dieu sera là. Le cœur de Jésus va battre sur l'autel pour toi. Recevons-le avec amour. Jésus, je t'aime. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.